Hey, salut tout le monde, c'est Elvin et on se retrouve sur GTA 5 Online. Donc j'ai fait cette vidéo, c'est pour une mission de bunker. J'ai d'acheter un bunker justement. Et donc comme il était à réduction, je suis pourquoi pas faire une vidéo, faire des missions, les missions du bunker qui vient justement. Je vais baisser le son. Du DLC Gun Running, trafic d'armes. Donc on va juste fabriquer des armes et les revendre et ça nous fait de la thune et c'est ça qui est bien. Je suis sur PC à la manette. Ça doit s'entendre avec le stick et tout. Donc alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller prendre un ordinateur. Alors, l'ordinateur, il est là-bas. Si, je sais bien. Donc je vous parlais de la réduction qui est à 1 400 000 maintenant, au lieu de 1 700 000, c'est pas mal. Bon, j'ai foncé sur l'occasion directe. Hein. Donc on va utiliser. Alors comment on fait? Mais ça c'était fait. Non, attendez. Voilà, club de motards, créer un club de motards. Voilà, c'est bon. Alors, on va utiliser l'ordinateur. On va lancer la mission. Donc, lancer la préparation. Je veux vivre, voilà. Donc, on lance la mission tout de suite. Donc voilà, ça va changer un peu de ce que je fais d'habitude. C'est vrai que GTA, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, j'avoue. There's a dune loader carrying the requisite supplies and ammunition. Pick it up and bring it to the bunker and we can get the lab operational. Dans un menu interaction, je fais véhicule. J'ai pas de véhicule plus siège en fait. Bon, on verra. Donc alors, on y va. Justement, hop, par là. Attendez, j'ai un temps limite en plus. Attendez, on ne l'avait pas dit ça. Bon, on va y aller. Hein. Donc alors, il faut rejoindre Spanish Avenue qui est à 4 km d'ici. Super. 3 km et demi, on va dire. Donc la vue d'intérieur, elle est dégueulasse. On ne comprend absolument rien. Voilà, il a juste suffi que je fasse ça pour que vous compreniez. Et donc on est à plus de 100 à l'heure, ce qui est pas mal. Enfin, est-ce que je peux raser? Oui, c'est bon. C'est un petit peu loin, Spanish Avenue, si tu veux mon avis. Donc faut savoir un truc, c'est que je suis dégueulasse en conduite sur GTA. Je suis dégueulasse en maniement d'armes sur GTA. Je suis dégueulasse à tout. Vaut mieux pas aller dans la terre avec ce véhicule, il dérape beaucoup quand t'es sur la terre. Voilà, regardez. Comment ça, money drop? Ah, parce qu'il y a un modeur dans la partie, c'est vrai. Sauf que là, je crois qu'ils peuvent rien me faire. Je sais pas. Quoique, en fait, si, ils sont là. Qu'est-ce qui s'est passé là, concrètement? Toi non plus, tu n'as pas compris? Attends, j'ai une voiture qui... Qu'est-ce qui se passe? Mais what? Il y a des problèmes.
Bon, je sais pas. What? On va récupérer le truc. Il se passe des trucs bizarres dans cette partie. Comment ça, il a été détruit? N'importe quoi. Bon alors. Ah, il faut que je retourne au bunker. Vous avez le paquet? Eh bien, rapportez-le au bunker et laissez vos chercheurs faire le reste. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bugs. Il y a des bugs ou c'est un modeur qui fait ça? Je sais pas. Comment ça, signal détectable? C'est quoi ça? Ils sont désignés pour tous les joueurs de la session. Oh non, pour de vrai! J'aurais dû faire une session tout seul. Et ils vont venir, ça veut dire? Bon, ils sont assez loin. Et genre, si j'appelle Lester, par exemple, il pourra rien faire pour moi. Est-ce que je l'ai en contact? Ouais. Ouais, quoi que non. De toute façon, il n'y a personne qui vient vers moi, ils sont bêtes. C'est ça, quand t'as un modeur dans la partie, ils vont aller vers le modeur, ils vont pas aller vers toi. Ça, c'est bien. Je crois, ouais. Faudrait que je vérifie ma carte constamment. Donc, il commence à prendre la vitesse, le machin. Hein. On est quand même beaucoup, hein. J'aurais peur qu'il y ait un petit... qui vienne et qui fasse... Eh, hey, ton fric, on veut ton fric, ok. Et qu'il me prenne mon fric, justement. Et que bah, je me fasse... couillonner, comme on dit. Hein. On est déjà à 7 minutes de vidéo, ça passe vite le temps. Hein. Merde. T'as intérêt à rien faire déjà? Non? Oh non, s'ils nous killent tous, c'est fichu. Parce que je venais de me connecter, là, boum, apocalypse, il y a une météorite qui me tombe sur la face. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé, c'est vrai. Bon, j'ai de la chance, mon bunker, il est sur la route 68. Ce qui... J'arrive où, il y avait quelqu'un? Non. Ce qui fait que c'est juste à côté du point de livraison, justement. Et ça, c'est bien. Je suppose. Après, s'il m'envoie faire une mission vers l'aéroport, c'est vrai que c'est mort. Bon, j'arrive. Hein. C'est bon, j'y suis. Ok, c'est bon. On a la production d'armes. On va se faire un petit peu d'argent. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'enrichir, donc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de plus en plus de missions pour gagner plus de ressources. Ce qui va nous permettre de faire plus d'armes. Et plus d'argent, justement. Donc, on pourra s'acheter plus de trucs. Voilà. Bon, chargement. Allô? Ah! Voilà la zone de production, c'est ici que les armes et les munitions seront fabriquées par votre personnel. Super. Les armes et les munitions assemblées seront stockées ici dans des caisses.
et matières premières seront utilisées pour poursuivre la production. Ah. Ok. D'accord, très bien. Nice work. Your technicians are already breaking that down. Bon, très bien. Donc là, ils sont en train de fabriquer. C'était là, je crois. Ok, la remorque aérienne. Donc là j'ai 24 000. Bah oui, j'ai tout claqué dans ce bunker. Je m'étonne. C'est vrai que 1 400 000, ça valait le coup. Pour se faire du pognon juste après. Ah, c'est la zone de fabrication. Il y a intérêt à ce que vous fassiez du bon boulot. Ah, c'est qu'ils sont en train de fabriquer des armes. Vas-y donc. Bah voilà. Donc on va gagner de la thune en faisant ça, c'est tout. Donc alors, je vais voir ce que je peux faire avec mes 24 000. S'il n'y a pas des voitures à 24 000, ça m'étonnerait. Oui, ça je sais. Ok, donc 1 million pour avoir le centre d'opération mobile qui se trouve dans ces couloirs-là. Je me perds un peu, c'est vrai. Ah voilà. Qui sera entreposé juste là-bas, là, ici, enfin juste là-bas s'il vous plaît. Voilà, il sera entreposé là, ici juste devant. Et donc voilà. Donc sinon, erreur 330. Ils ont des pseudos, ils ont de ces pseudos. Ça. Alors pour aller à l'ordinateur, pardon, pardon. Ah voilà, c'est là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait pour s'asseoir? Ok, c'est triangle. Ok, setup's complete. You can get started. You'll be resupplying the lab so they can research new weapon technologies or manufacture arms for you to sell. Full disclosure, this is kind of a gray area legally and a red flag to bad actors, so expect attention. Make sure you can handle it and utilize security upgrades as they prove necessary. Your goal, as well as ours, is making this a profitable business. Je pense que vous voyez, ça sera mieux, mais c'est un petit peu plus compliqué. Take a look at the staff management page to assign your technicians to research or manufacture. If you use your supplies for research, you'll gain access to unique modifications for your vehicles and weapons. Current research progress can be tracked on the research page along with the records of all the schematics you've developed. Super. Bon. Ah, tu mets un petit peu de temps à te relever, toi, dis donc, hein. Attends, il y avait un bug dans GTA. Sur Old Gen, c'est que quand tu mettais ton véhicule dans le garage, il se réparait. Je vais savoir si ça le fait encore. Alors. Bah oui, ça le fait encore, il est réparé. Ah, quoi que j'ai parlé trop vite. Hein. Attends. Ah bah oui, le glitch. Oula. Si toi non plus t'as pas compris, laisse un pouce bleu. C'est quoi ce véhicule? J'arrive, c'est les deux même à l'identique. Mais bon, sur ce, je vais vous dire ciao. Et sur ce, rendez-vous sur une prochaine vidéo.